Ouais, l'UFDG. C'est que les Guinéens pensent que c'est un parti pour les bergers. Les Guinéens pensent que l'UFDG se sont entourés seulement que des moutons. Seulement que des moutons. C'est ça que les Guinéens pensent. Regardez aujourd'hui. RPG Arc-en-Ciel. Qui ont contacté ou bien appelé Fatou aujourd'hui, soi-disant, ouais, Fatou, il faut mettre l'eau dans tes veines. Fatou, voilà, là où nous sommes comme ça, on est dans un état, voilà, de la faiblesse. Donc, il faut que tu soutiennes Seloudel Ndiallo. Quand tu soutiens Seloudel Ndiallo, en ce moment, voilà, on peut récupérer tous les UFDGistes à Dama. Adama, Adama, quelqu'un qui a insulté père et mère, vous, votre président, vous pas regarder sa vidéo encore, vous pas partager sa vidéo, commenter ses vidéos, parce que tout simplement, il dit que c'est le lama qui est, c'est le lama qui est, c'est le. Et si Dieu a prescrit sur le front de Seloudel Ndiallo, c'est le lama qui est, personne ne pourra effacer ça. Personne ne pourra effacer ça. Il va gagner ici, quelle que soit la difficulté, quel que soit le prix. Mais regarde comme Fatou en train de jouer. Voilà, Abefe Ourakiyanare. APF ou Rakiana, c'est que UFD, Sende, Aflama dit, RPG Mere, Efatouli, Efatoube, Efatouba, Komponka, Balate, voilà, Faerase le soutenir, Alko, Wonga Milite, Masoto, Ni Rafirasa, Wonyama, Wonga Dume Ramende, Toutima, Betir Begouri. Muntanan dit Falaoube, quand nous autres, on vous dit la vérité, vous ne voulez pas accepter. Quand on vous dit la vérité, vous ne voulez pas consoler. Parce que votre philosophie, c'est quoi? Vous dites que non, on n'est pas de la même communauté, au fait. J'abaisse mes mots, mais c'est la réalité, au fait. Vous dites que non, un souci ne doit pas dire la vérité à un peuple. Un malinqué ne doit pas dire la vérité à un peuple. Un forestier ne doit pas dire la vérité à un peuple. Mais quant à vous, c'est tranquillement tranquille, quoi. Oui. Sinon, nous, on a combattu Fatou ici. On a combattu Fatou ici. Corps et âme, physiquement, mentalement, spirituellement. Aujourd'hui, Fatou vient s'asseoir et dit, c'est Lula, mais yo, c'est Lula. Elle danse, elle chante. Juste, Arabe Rewa, quoi, le PlayStation. Le PlayStation. Vous êtes là à partager la vidéo de Fatou. L'injure que Fatou a fait à l'égard de Kotosel, vous avez tout oublié. Maintenant, vous êtes là à chanter, danser, crier. Ouais, c'est vrai. Ouais, Fatou, c'est vrai. Ouais. Regardez le cas de Corboya. Il n'y en a pas ce que Corboya, les autres aussi qui n'ont pas dit sur celle-là. Mais. À ma grande surprise, il n'y a rien. Il n'y a rien. Aujourd'hui, je vois les mêmes personnes qui se voilà, mobilisent que ouais, on doit soutenir Corboya parce que voilà, etc. Non, c'est pas comme ça. Idéologie là. Et si tous les Guinéens fonctionnent comme ça, personne ne va soutenir l'un pour l'autre ici en Guinée. Personne. Soit disant que oui, moi je suis Peul, il faut que je soutienne telle personne. Moi je suis Sissou, il faut que je soutienne telle personne. Je suis Malinké, il faut que je soutienne telle personne. Non. Il faut qu'on soutienne la vérité. On soutienne notre drapeau tricolore. C'est ça qui est la vérité. Regardez M. Fama Kanté aujourd'hui. M. Fama Kanté qui est en train de taper fort sur le dos des UFDJistes. Ouais. Le jour, moi, personnellement, Djaroul Bangoura, j'ai fait la vidéo contre Fama Kanté. C'est vous, les militants sympathisants,
qui sont venus sur mes commentaires, soit disant, ouais, Fama Kanté est un héros, Fama Kanté est un quoi, Fama Kanté c'est un combattant Fama Kanté, etc., etc. Vous comprenez, non? Il y en a pas ceux que vous n'avez pas dit sur Fama Kanté. Yeah. Il n'y en a pas ce que vous n'avez pas dit sur Fama Kanté ce jour-là. Soit disant que ouais, Ja Rule Bangoua, tu ne dois pas toucher à Fama Kanté. Moi, je vous ai dit, nous autres là, nous qui n'est pas allés à l'école là, on n'est plus patriote que ceux qui ont fini leur étude. Nous qui parlons français militaire là, nous qui parlons français militaire, soi-disant mon commandant m'a dit, il n'y a pas plus patriote que nous. Il n'y a pas plus digne que nous. Prenez l'exemple sous le feu Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré avec quel diplôme ici? Quelle licence ici? Quel doctorat ici? Hein? Thomas Sankara a quel diplôme, a quel doctorat? Mais rien. Mais c'est des patriotes. Mais regardez, qui est en train de vendre l'Afrique aujourd'hui? C'est vos diplômés. Qui est en train de vendre l'Afrique aujourd'hui? Ce sont vos diplômés. Soit disant que ouais, telle personne, il a doctorat, il a la licence master, licence quoi, diplôme quoi, etc., etc. C'est eux seulement qui sont en train de vendre l'Afrique. Quand je vous ai parlé de Fama Kanté ici, il n'y en a pas ce que vous ne m'avez pas dit. Aujourd'hui, normalement, vous devrez aller sur la page de Fama Kanté, télécharger toutes les vidéos. Ouais, Resta, one love, big up. Télécharger les anciennes vidéos de Fama Kanté et partager sur la toile. Partager sur la toile. Aujourd'hui, je regarde la vidéo de Fama Kanté. Fama Kanté dit que, ouais, moi je ne suis pas un défenseur de Ella Seloudel N'Diallo. Et pourtant, c'est faux. Fama Kanté s'est toujours réclamé comme un communicant, comme un sympathisant, comme un militant, un combattant de Ella Seloudel et sa femme, Khadija Alimatou Dele. On l'a tous vu ici. Quand je vous ai parlé, vous dites que non, il ne faut pas toucher à Fama Kanté. Hein? Vous voyez, non? Nous ne sommes pas des malhonnêtes, nous ne sommes pas des démagogues. Si nous on dit A, c'est A. Quand je supporte aujourd'hui le CNRD, c'est mon droit de les soutenir parce que le CNRD, c'est pas un parti politique. Le CNRD et son président, son excellence colonel Mamadi Doumbouya, ils ne sont pas... c'est pas un parti politique au fait. La transition, on doit soutenir la transition dans notre pays pour éviter une autre transition encore. Pour éviter une autre transition, il faut qu'on soutienne cette transition. Ce n'est pas tout le temps qu'on dise que non, telle personne n'est pas bon, telle personne n'est pas bon, telle personne n'est pas bon. Regardez UFDG, aujourd'hui, toute la Guinée, ou bien tous les Guinéens disent que oui, c'est vous qui êtes le problème de la Guinée. Et pourtant, moi je dis que non, c'est tous les Guinéens. Et pourtant, nous ne sommes pas des lâches. Non, non, nous on ne vit pas au dos des gens, non. Même si c'est toi qui me donnes quoi à manger. S'il y a la vérité, tonton, je vais te dire, prends. Si tu veux bloquer mon déjeuner, là, il faut bloquer. Il faut bloquer, mais je vais te dire mes quatre vérités quand même. Ouais. Je vais te dire ça. Nous, on est là à soutenir le CNRD. C'est pour éviter une autre transition ou bien un autre coup d'État. Mais vous êtes là à nous traiter des escrocs, des mangiants. On a Wambirimba Kulamati, Mangé Tobi. Wambirimba Mangé Tobi. Wambirimba. On a combien de militaires? On a Tongo Yakosi.
de Farmer Kanté jusqu'à ceux qui travaillent, ceux qui travaillent dans le gouvernement aujourd'hui. Vous avez combien de militants qui travaillent dans le gouvernement aujourd'hui? Vous avez combien de militants, il ne veut même pas entendre le mot UFDG aujourd'hui. Il ne veut même pas entendre le nom de Seludel N'Diallo aujourd'hui. C'est trop. Mais vous êtes là à dire que non, bon, nous, c'est nous qui partageons. Partagez ma vidéo, ne partagez pas ma vidéo, ça n'engage que vous. Même si, moi j'ai toujours dit aux gens, même si c'est une personne qui regarde moi ma vidéo et qu'il comprenne mon message, le but, c'est le plus important. C'est le plus important. C'est le plus important. Vous pouvez aller sur la page de Fatou Niello qui est en train de jouer avec vous aujourd'hui. Fatou qui est en train de jouer avec vous aujourd'hui. C'est l'oulamike, yo, c'est l'oulamike. C'est l'oulamike, yo, c'est l'oulamike. Hein? C'est quelle sorte ça? C'est quelle sorte de sorcellerie ça? Quelle sorte de sorcellerie ça? Mais après vous dites que ouais, on est tous des peuls. Si on fonctionne comme ça, on ne va pas y arriver. Si on fonctionne comme ça, on ne va pas y arriver. Jamais. Il faut qu'on sorte dans cet esprit-là. Il faut qu'on sorte dans cet esprit-là. Quel que soit le problème, il faut prendre le courage de dire la vérité. Je sais actuellement, il y a plusieurs, il y a beaucoup de personnes qui ont bloqué mon contact, voilà, soi-disant parce que je ne suis pas avec l'UFDG ou bien quoi. Et moi, je vous ai toujours dit, moi, je ne supporte pas l'UFDG à cause de vous, sympathisants, à cause de vous, les militants, jamais de la vie. Je ne connais même pas les sympathisants ou bien les militants ou bien le bureau politique de l'UFDG. Moi, je supporte l'UFDG à cause de Seludel N'Diallo. Parce que Seludel N'Diallo, il a été reconnaissant envers nous les Soussous. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas à cause d'un individu que moi j'ai aimé Seludel N'Diallo. Ce n'est pas à cause d'un individu que moi j'ai créé ma page pour créer ma page pour soutenir Seludel N'Diallo, non? Mais je soutiens Seludel N'Diallo parce qu'il est humain. Il est reconnaissant. C'est ça au fait. Merci. Voilà, on est dans une transition. En tant qu'un patriote, tu dois soutenir la transition pour bien dérouler les choses. Hein? Bien dérouler les choses, organiser les élections vives et transparentes, puisque ton parti politique arrive, comment on dit ça, vient au pouvoir. Mais tu ne vas pas te faire un opposant encore. Il comme Findi, opposant là, juste pour avoir de vue, pour avoir de quoi manger. Moi, je ne suis pas de ce genre. Tonton, si c'est à cause de ça, il faut bloquer mon contact. Si c'est à cause de ça, il ne faut plus me donner un franc. Il ne faut plus donner un franc à moi là. Hein? Plus jamais, il faut plus donner un franc à moi. Ouais. C'est pourquoi les gens n'ont pas confiance à les sympathisants ou bien à les militants de l'UFDG. Regarde sur la page de Fatou. Regarde sur la page de Fatou. Quelqu'un qui vous a insulté, humilié, père et mère. C'est la même personne que, voilà, vous êtes là à partager ses vidéos. Vous êtes là à partager même avis que elle. Parce que tout simplement, leur bureau ou bien leur parti politique qui est RPG Arc-en-Ciel l'a appelé, soi-disant, ouais, Fatou, maintenant là, mettre balle à terre. Il faut soutenir Seludel N'Diallo pour avoir ses sympathisants et les militants de l'UFDG. C'est ça notre préoccupation. Maintenant, on n'est pas là pour être opposé contre l'UFDG ou bien contre son président. Non, on doit soutenir le président Seludel N'Diallo pour avoir récupéré tous ces militants de l'axe, de l'autoroute ou bien de corniche, de quoi, pour pousser les gens sortis de la rue. Vous dites aujourd'hui,
Monsieur le Président, son Excellence Mamadou Doumbouya n'a pas respecté la charte de je ne sais pas ce sans quoi, ce sans quoi. Mes frères et sœurs, soyez intelligents. Ne sois pas pressé du pouvoir. Soyons intelligents, mes frères et sœurs. Il y a combien de présidents en Guinée qui a comment on dit ça, qui n'a pas accepté ou bien accompli les chartes? Il y a plusieurs présidents qui ont passé en Guinée. Plusieurs présidents qui ont passé ici chez nous en Guinée. Plusieurs présidents. Quand un président vient, ce que il dit, il ne faut pas regarder ça. Parce que tout ce qu'il dit, il ne va pas accomplir tout. C'est dans le jeu politique. Tout ce qu'il dit, il ne faut pas écouter tout. Mais aujourd'hui, voilà, les communicants de l'UFDG disent que non, le président colonel Mamadou Doumbouya n'a pas accepté chaque tant. Et juste à cause de la manifestation, le colonel, il est intelligent. Il est intelligent, il est doué de l'intelligence. Et le discernement aussi. Pourquoi le colonel a bloqué les manifestations? Parce que les RPGistes voulaient s'en servir à les UFDGistes, faire sortir les enfants des autres dans la rue. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon au fait. C'est ça qui n'est pas bon. En tout cas, UFDG, en 21e siècle 2022, les gens disent que vous ne connaissez pas la politique. Oui, les gens disent que vous ne connaissez pas la politique. Maintenant, il est temps pour vous de connaître le jeu politique là. Hein? Donc, pour finir, qu'est-ce que je vais dire par là? Nous tous, on a vu la réaction de Fama Kanté. Fama Kanté qui était le choco, le chouchou de la communication de l'UFDG. Il était le chouchou quand il disait le français magnifique, hein, le français choco, hein, le français classe. Les UFDG disent que oui, on a trouvé les gens, on a trouvé des cadres, on a trouvé quoi. Et comme moi j'ai dit seulement que non, Fama Kanté, c'est pas un combattant, Fama Kanté, il n'est pas correct, Fama Kanté, parce que moi, mon papa, il n'est pas instruit, il m'a toujours dit, ouais, le King Marisha, big up à toi, respect maximum, one love à toi. Mon papa m'a dit qu'un Africain qui est diplômé est un malhonnête. Mbara ouais nana qui dit. Mbara ouais nana qui mbaba. Un Africain y est arrangé français flamand. Il parle français correct. Il parle français, ça fait. On dirait c'est lui qui a créé la langue Molière même. Que c'est un malhonnête. Que c'est un malhonnête. Mbara ouais nana qui. Ouais Fori Ibra, big up Nema Fori. Big up, one love, respect. You know, Mbara ouais nana, un Fori yoto, Africain yoto, a Français, falama allo Français, a katama gojede, a ran accent, a sara, a kiyama, pas l'ordre. Alors, mais directement mon fils est malhonnête. C'est pourquoi mon papa, quand tu parles devant lui, la langue Molière, Arasak, il prend son sac et quitte là-bas. Il m'a toujours dit ça. Quand je vous parle de Fama Kanté, j'ai tous les captures d'écran ici. C'est vous, les sympathisants et les militants de l'UFDG qui ont venu m'insulter sur mes commentaires ici. J'ai tout.
Ils m'ont dénigré, insulté et pourtant j'avais raison. Aujourd'hui, Fama Kanté, mon grand, big up Nema, continue comme ça. Hein?